Une mare de flotte. Donc le danger est à gauche. Bah, par exemple, le danger est là où ma balle est partie. Je crois que j'ai vu un rebond, une espèce de rebond. Mais je crois que j'ai fini dans les roseaux. C'est parti, alors ce sera à droite hein, du green, c'est parti à bonne distance. T'as échappé au bunker. Ok. Christian va être juste là après les bunkers. Donc lui à l'ouverture. Alors. On jette quand même un coup d'œil. Alors voilà, la mare avaleuse de balles. Est-ce que je vais au moins retrouver la mienne? Eh bien, c'est pas dit. Elle est montée. Elle touche, oh là là, elle touche pas le green. Oh, que c'est malheureux. Que c'est malheureux de laisser la porte ouverte comme ça. Christian. Hop, et ça va rentrer. Hop, oh, puis voilà la balle qui rentre. Ça roule, oui. Ah, elle roule quand même. Ouais, ça roule, hein. Oh là 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 là. Je m'attendais pas à ce que ça roule autant. Oh la cata. Oh là là là. Ah, 4-5. Est-ce que j'ai une pénalité? Mais si. Eh oui. Donc square, on revient square. Allez, trou suivant. Par 4, le green est tout au fond là-bas. Là il y a de la flotte, là il y a de la flotte, là il y a des maisons. Autant dire que le trou est pas difficile en soi. L'environnement qui est anxiogène. Allez. Elle revient, donc en fait mon effet magique, oh là là, j'ai passé l'eau et je suis revenu sur le milieu du fairway, sauf qu'elle n'est pas super longue, mais j'avoue que j'ai pas voulu cogner comme une brute, j'ai pas voulu prendre de risques. Allez hop là, regardez comme c'est joli là, donc un brin de nature en plein centre-ville. Cergy-Pontoise est quand même une ville bien verte et ce golf en est la preuve. Ah, c'est bien sorti ça. Ok, donc voilà. Mon deuxième coup, il y a 180 mètres, donc moi j'ai pas 10 000 trucs à faire, j'ai qu'un bois 5 dans le sac, donc je sors en bois 5. C'est bien ça. Ping, touche, ah le rebond qui part à droite,
et ben elle rebond par la droite, donc je ne rentrerai pas sur le green. Mais c'était en direction et destiné au green normalement. Ah, enfin, ça revient. C'est de vous faire honneur quand même. Hop. Et bunker de droite. Bon, c'était une bonne idée, mais bunker de droite. Ça le booste, le Christian. Voilà, il va sortir ses plus beaux coups. Dans le bunker là-bas, et moi je suis là. Allez, troisième coup pour moi, un coup d'approche. Vous voyez certainement Christian là-bas dans le coin de la caméra qui est au bunker. Allez, concours d'approche, faut la monter. On a vu que ça roulait depuis tout à l'heure. C'est pas bien. Hop, elle est bien montée. Ah, mais elle n'est pas allée assez loin. Ah là là. C'est pas exactement comme à la télé. Bunker. Ah, c'est une super sortie, ça. Ah, magnifique. Magnifique. Alors. Déjà, pour commencer. Ah, je vais m'auto-faire le drapeau. Première chose, comme j'ai pitché le green. Il n'y a pas de raison. Hors de mon contrôle. Bon, je suis pas mécontent de mon pote. Hein. Allez, ça me fera un bogey. Reprendre la main. La garder. Encore trois fois en dessous. Non. Ouais. Trois fois en dessous. Donc ça te fait un bogey? Non. Moi ça me fait six. Six en double. Moi ça me fait un bogey. Donc je reprends la main. On était à quoi? On était square. One up for you. Donc je suis one up. J'adore. Allez, ça va te motiver, Christian. Je sais que ça va te motiver, ça. Un par 3, tout droit, 140, combien tu m'as dit, Christian? 145 pourquoi? 145. Et j'ai pris mon fer 4, moi. Je vais m'aligner sur l'arbre le plus élevé, là. Et j'ai gratouillé. Bon, après, j'ai gratouillé. J'ai bougé. Un truc qui allait pas. Quelle question, allez, Christian. Toi, t'es capable. C'est une question de rhythm. Rhythm of love. Ouais. De mètres, je pense, hein, pour être au drapeau. Si elle vient de haut, elle s'arrête. Elle est belle. Ah, mais elle est toujours un peu loin. Ah non, elle redescend. Ah là là. Bon, il y avait un plateau à passer.
Elle était à la bordure, elle l'a pas passé. Christian, lui, est en difficulté. Un peu quand même. Et il nous sort. Hey, belle balle! Ouais, mais tu vois, t'es resté dessus. C'est joli. Ah, il m'en restait pas mal là, du coup, quand même. Alors voilà, les deux balles. En deux ici. Hop, allez. Alors du coup, moi j'ai pitché là, donc elle est pas montée. Et maintenant, il va falloir que je la monte. Ouais, c'est dingue. Je trouve ça chiant qu'il y ait des traces de pitch, que des gens qui... Ah là là! Bon, il est gagné ce trou, c'est ce que tu es en train de me dire. Hop là! Gagné avec un bogey. Donc là, on est au trou numéro 6. Et je suis 2 up. Bon, ça va l'énerver, mon Christian, ça. Il va se réveiller, vous allez voir.